Ça compte vraiment beaucoup pour moi de revenir ici cette année et puis que toi tu sois là, Sam. Josh, on est là pour toi. Vraiment, peu importe comment et quand, on va tous surmonter ça ensemble. Je veux qu'on passe un bon moment, tu vois. Hey, regarde où tu marches. Je pense que je vais pouvoir gérer un bon vieil escalier. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu d'eau chaude et je serai aux anges. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais. Ouais, c'est vrai que ça craint par ici. Ouais. C'est pas un endroit où il faut rester toute seule. C'est la tienne? Ouais, avant je jouais au baseball tout le temps avec mon père. Bien sûr, c'était avant. Avant qu'il soit trop occupé pour passer du temps avec moi. Eh ben, t'as qu'à me la mettre de côté, d'accord? Bon allez, maintenant je vais voir ce que je peux faire avec cette bonne vieille chaudière. Tiens, tu peux tenir ça? C'était quoi? De quoi tu parles? Éclaire par ici que je puisse voir ce que je fais. Joli. Ok, pour commencer, il faut augmenter la pression de l'eau avant de pouvoir allumer la chaudière. Ça m'a l'air compliqué. Non, en fait, c'est hyper simple. Ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Oh, arrête. Je fais mon Josh, c'est tout. Waouh, t'as vraiment flippé. Oh putain. Bouge pas. Quoi? Il y a un truc derrière toi. C'est ça. Josh, sérieusement, il y a un truc derrière toi. Je t'ai... D'accord, d'accord. 15-0. 30, trésor. Quoi? Non, attends. Où est-ce que tu l'as eu, ton premier point? Ça commence pas à 30? Mais non, à 15. Ah, ouais, moi je suis plus branchée ping-pong. Josh. Quoi? Le rythme est étrangement régulier. C'est... Non, non, c'est pas du tout régulier. Je vais aller voir. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que ça peut faire, Trouillard? Non, c'est probablement rien, à mon avis. Et si tu gardais le fort pendant que moi je vais voir? Oui, madame, tout ce que vous voudrez.
Celle-là était bien. Mais pourquoi tu... t'as fait ça? Quoi? On a une vraie ambiance de film d'horreur. Allez, j'étais obligé de profiter de la situation. Non mais, tu déconnes là. Et toi, t'étais au courant de tout ça? Non, mais j'aurais aimé. C'était trop fort. Je veux bien admettre que ta plaisanterie débile avait peut-être une certaine dose d'humour. Je suis le maître de la blague. Non, j'ai rien dit sur tes blagues. J'ai juste dit que ta plaisanterie était débile. Ah, putain, t'étais terrorisée. Allez, admets-le. Alors là, pas du tout. Ito, tu t'es complètement pissé dessus. Mais bordel, qu'est-ce que tu portes? J'ai trouvé ma vocation. Pitié, dis-moi que tu vas faire vœu de silence. D'accord. Et t'as trouvé le bidule? Voici notre billet vers le monde des esprits. Tu sais quoi? Non, j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Ok, alors amusez-vous bien. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fourbe. Ok. J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du surnaturel, des fantômes, des esprits et de toutes les forces de l'au-delà. Vous aussi, ça vous effraie? Tiens donc. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette phobie? Et maintenant, analysons plus précisément ce que vous ressentez envers les gens. Ce que vous appréciez et respectez chez vous et chez les autres. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? Donc, vous dites toujours la vérité. Même si cela a des conséquences néfastes pour un ami. Alors, qu'en est-il de la franchise et de la charité? Quelle générosité et quelle humanité! Très touchant. Ah, mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. C'était juste une blague, Anna! C'est aujourd'hui le premier anniversaire de la mystérieuse disparition de ses filles, Anna et Bess Washington. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. Ouais. Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. Boum! L'effet papillon. Pardon? T'as dit quelque chose? Oh, bien sûr. T'étais trop occupé à faire ta connasse. Arrêtez! Mike, pourquoi est-ce que t'irais pas voir la cabane dont on a parlé? Ouais, d'accord. T'as entendu?
Bordel, qu'est-ce que tu portes ? Voici notre billet vers le monde des esprits. Oh, mais méfiez-vous de Josh. C'est un vrai fou. Si c'est ça que tu veux ! Jess ? Jess ! Alors, ça dit ici, pour communiquer avec le monde des esprits, vous devez vous libérer de tout préjugé, de toutes inhibitions, et vous offrir entièrement à la volonté des autres, sublimant chacun de vos désirs aux lubies de l'esprit maître, c'est-à-dire moi. Ça dit pas ça, non ? Et toute personne présente retirera ses vêtements à ma seule discrétion. Chris, allez, c'est sérieux, là. Je suis sérieux à mort. Ah, oh, tais-toi. Bon, allez, essayez. Oui, je te remercie. Ok, alors, on va voir. Ashley, vu que tu es fraîchement convertie, pourquoi ne pas être notre médium aujourd'hui ? Ok. Esprit, es-tu là ? Te présenteras-tu à nous si tu es là ? Attends une minute. C'est toi qui fais ça ? Non, j'ai rien fait du tout. Ça bouge encore. Ah ? Qu'est-ce que ça épelle ? Attends. Mais comment c'est possible ? C'est toi qui le bouge ? Je te jure que c'est en train de bouger. Putain de merde. À l'aide ? Comment on est censé aider ? J'en sais rien, ça veut dire quoi ? Il faut qu'on sache qui c'est si on doit l'aider. Qui es-tu ? Oh, ça y est. Ok. S. O. E. U. R. Sœur. Sœur ? La sœur de qui ? Oh, arrête, t'es sérieux ? La ferme ! Demande-lui la sœur de qui ? Josh, ça doit être... Ouais, ok, bon. De quelle sœur il s'agit alors ? Ashley, demande-lui qui elle est. À qui parlons-nous ? Anna ? C'est toi ? Oh bon sang ! C'est n'importe quoi. Josh ? Tu... Ça va. T'es sûr ? Parce qu'on peut arrêter, hein ? Non. Hey, ça va. Je veux entendre ce que ça veut nous dire. Je sais pas par où commencer. Réfléchis. S'il s'agit vraiment d'Anna, on va... peut-être savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Josh ? Je peux gérer. Ok. Laisse-moi réfléchir. Anna, tu nous manques et on veut savoir ce qui t'est arrivé. Tu peux nous dire ce qui s'est passé ? T. R. A. H. Oh. J'aime pas ça. Trahi. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Ça continue. Oh merde. T. U. Et E. Oh non ! Tué ? On les a pas tués ! C'était juste une farce ! Ash, du calme, hein, ok ? Il faut qu'on en sache plus. Je suis désolée, tellement désolée ! Regarde, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Demande-leur ce qui s'est passé, c'est l'unique façon de savoir. Vas-y, Ash. Ok. Qui t'a tué ? Anna, qui c'était ? B ? I. B. Bibliothèque, il y a peut-être quelque chose dans la bibliothèque. B. R. E. U. Preuve. Il y a une preuve. Dans la bibliothèque.